Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une petite conférence sur un sujet très en demande, la dépendance affective. Donc, je vais vous parler aujourd'hui comment est-ce que la dépendance affective cause des souffrances en amour, pour ne pas dire cause vos souffrances en amour. Parce que l'on soit, on a tous vécu des situations où est-ce que la dépendance affective est venue nous percuter, parce que 98% des gens vivent de la dépendance affective à différents degrés. Mais avant de vous en parler davantage, au fur et à mesure que vous joignez la conférence, peut-être juste me mettre un petit pouce pour me montrer que vous êtes là, ça va me permettre de savoir on est suffisamment de gens ou pas pour que je puisse démarrer le sujet. Et mettez-moi de quelle ville, de quel pays vous êtes aussi. Et comment est-ce que ce sujet-là vous interpelle? J'aimerais ça pouvoir vous lire à savoir qu'est-ce qui fait que c'est un sujet pour vous qui porte à curiosité comme tel. Le temps que les gens nous rejoignent, je vais doucement me présenter aussi pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis Lynn Boldic et ça fait, oui, 23 ans que je travaille dans le domaine de la conférence, de la formation et ce, à travers le monde, sur différents sujets qui vont toucher autant, oui, l'aspect relationnel, l'aspect du couple, qui vont aborder la gestion des émotions, la saine communication dans les relations de travail, prévention de l'épuisement, prévention de l'intimidation. Bref, j'ai eu à œuvrer dans ma carrière au-delà de, à faire 2000 conférences environ à ce jour, beaucoup de télé, radio, écriture dans différents magazines dans le monde, pour soutenir les gens, autant à travers les entreprises, pour du personnel scolaire, hospitalier, financier, juridique, bref, la vie m'a amenée à œuvrer vraiment dans plusieurs secteurs et c'est toujours une passion de pouvoir aussi interagir au sein du grand public comme je le fais dans mes tournées de conférences ou à travers mes 7 livres ou dans les vidéos avec vous autres comme tel. Donc, j'ai le plaisir de me retrouver un peu comme si on était tout le monde dans un salon ensemble à réfléchir sur un sujet et quand on parle de dépendance affective, je veux juste faire la nuance avec dépendance et codépendance. Parce que la dépendance, vous allez me voir en passant baisser mes yeux, comme je vous dis à chaque vidéo, j'ai mon ordi en avant de moi, je vais être sûre de rien oublier. Donc la dépendance affective, c'est j'ai besoin de l'autre, car l'autre devient responsable de mon bonheur. Et ça, c'est une majorité de gens qui le vivent, parce qu'on dit seulement 20% des gens sont heureux en couple. Et c'est pas beaucoup, là. 50% va assurément passer par une séparation ces années-ci et ça gradue de relation en relation le pourcentage de séparation. Et un 30% de la population que les gens sont en couple, oui, ils réussissent à traverser le temps, mais il y a de la divergence, c'est pas facile. Donc 20% seulement des couples seraient réellement heureux en amour. Donc la dépendance, je le répète, c'est avoir besoin de l'autre car l'autre est responsable de notre propre bonheur. On s'entend que c'est pas sain et que c'est une histoire sans fin. Il y a la codépendance qui n'est guère mieux. La codépendance, c'est j'ai besoin que l'autre ait besoin de moi. Je suis responsable du besoin du bonheur de l'autre. Et on va voir ça, par exemple, dans le cas des gens qui vont avoir, prenons une femme qui se retrouvera avec un alcoolique à répétition. OK? Donc, elle est codépendante du problème de l'autre. Moi, je vais le sauver. Vous voyez un peu dans quel sens la codépendance peut s'exprimer. Donc, la dépendance affective, c'est pas une fatalité en soi ou une diminution de soi. Qu'on s'entende là-dessus. Et il y a des gens en passant qui disent « Moi, je suis pas dépendante affective, je suis indépendante affective. » C'est la même affaire. OK? Parce que l'indépendance affective, pour prendre l'expression des gens qui m'écrivent des fois en privé ou quoi que ce soit, c'est « Je me suis coupée pour pas avoir mal. » C'est de la dépendance affective aussi. Donc, le terme « autonomie affective », lui, va aller chercher quelque chose qui est sain ou est-ce que je n'ai pas besoin de l'autre pour sentir le bonheur en dedans de moi. J'ai cultivé mon bonheur au fil des années et c'est ce bonheur-là que je partage avec l'autre. Et je rencontre une personne qui est de même niveau et il n'y a aucun égo là-dedans de voir qu'on a pu faire un cheminement qui nous amenait à être bien en dedans de soi. Donc, c'est pour ça que je fais la nuance entre dépendance affective et indépendance et autonomie. Indépendance affective et autonomie affective. Donc, quand on parle de dépendance affective, je le répète, c'est pas une fatalité en soi ni une diminution de soi. C'est tout simplement une façon d'exprimer les effets cumulatifs qu'on a vécu depuis l'enfance qui ont créé soit des manques de sécurité, un manque de revalorisation, un manque d'amour, d'estime, de confiance en dedans de soi, oui, un manque de compréhension par rapport à sa propre vie, venant des autres également. C'est tout ça, OK? Et oui, ça a parti de nos parents, puis il n'y a aucune accusation sur nos parents, c'est l'histoire du monde, ça. Qui que l'on soit, on est touché
par les blessures affectives, on est touché par des états émotionnels qui sont plus ou moins agréables. Ça fait partie de la nature humaine. Donc, aucune culpabilisation là-dedans. L'important, c'est d'y voir clair et comment moi, je peux transformer les choses, sachant que mes parents m'ont donné le meilleur qu'ils pouvaient. Maintenant, je fais quoi? Je peux être mon propre parent puis prendre soin de moi au lieu d'attendre qu'eux autres pourraient peut-être changer? On oublie ça, ça ne donne rien. Alors, les blessures, oui, vont se créer en bas âge, vont prendre leur ancrage là et ça va continuer de s'ancrer au fil des années, au fil des événements. Donc, je vous partage quelques caractéristiques inspirées de mon livre « Se libérer de la dépendance affective » qui, les gens me disent, c'est comme une thérapie en dedans de soi quand on le lit, ce livre-là, semble-t-il, et je vous le partage bien humblement parce que c'est le commentaire qui revient le plus à travers le monde. Donc, dans le livre « Comment se libérer de la dépendance affective » que vous retrouvez sur lynnebolduc.com, je demande aux gens, et je vous en partage un petit extrait, pour identifier si c'est possible que la dépendance affective ait pu s'infiltrer dans votre histoire personnelle. Donc, êtes-vous issu d'un milieu familial, par exemple, où est-ce qu'il pourrait y avoir eu de la violence physique ou psychologique, des crises de nerfs, de colère, de larmes, des accusations, de la culpabilisation, des sentiments d'abandon, de rejet, d'indifférence? On s'entend que c'est assez pour créer un sentiment de manque puis de vide en dedans, tout ça, hein? Donc, à savoir si la dépendance affective peut vous affecter. Avez-vous un immense besoin d'être apprécié, d'être valorisé, encouragé pour vous sentir bien? Parce qu'on l'a vu au début, la dépendance affective, c'est j'ai besoin de me sentir exister sous le regard de l'autre. Que l'autre me valide dans le fait que je suis quelqu'un de bien. Que l'autre me fasse sentir que je suis aimée ou que je mérite d'être aimée. C'est ce qui fait que les relations sont si difficiles. On ne peut pas confier un tel mandat à quelqu'un. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est l'histoire des relations, malheureusement, trop souvent. Alors, on demande à quelqu'un de nous donner ce qu'on ne peut pas se donner soi-même dans un cas comme ça. C'est loin d'être sain. Donc, on revient dans les réflexions par rapport à est-ce que ça se peut que la dépendance affective vous touche. Demandez-vous si vous avez tendance à trop en faire pour la personne aimée jusqu'à vous oublier. Êtes-vous porté à vouloir plaire à tout le monde, à être gentil pour ne pas être rejeté? Avez-vous peur de vous retrouver toute seule? Avez-vous tendance parfois à vous accaparer la personne aimée, à vous accrocher à elle? Vous sentez-vous surtout exister en présence des autres? Puis, je sais que c'est des grosses phrases, là, mais prenez pas ça comme « Oh mon Dieu, j'ai donc bien des troubles ». Non! Si on le voit pas, on peut pas le changer. Voyez ça comme un cadeau. « Wow, je le vois! Là, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. » OK? Soyez proactifs dans le bon sens. Vous arrive-t-il de ressentir un vide intérieur sur de longues périodes? Avez-vous peur d'être rejeté, abandonné ou encore que la personne prenne le meilleur de vous puis qu'elle vous délaisse là quand elle n'en aura plus besoin? Êtes-vous porté à vous culpabiliser pour tout ce qui peut arriver dans la relation? Par exemple, aussi, si la personne est endettée, vous réglez ses factures, vous cherchez des solutions à ses difficultés à sa place, vous ne vivez plus dans ce temps-là, vous existez à travers l'autre. C'est de la dépendance affective aussi. Et faire attention dans la dépendance affective de ne pas devenir une victime. Dans le sens que, oh ben regarde, c'est encore la même chose que je vis. Là. Je suis tannée, là. Rebondir. Oui, on peut l'avoir temporairement, cette attitude-là, c'est correct. Mais si quelqu'un, ça fait 10 ans que la personne la porte, cette attitude-là, ben on s'entend, OK? Vous comprenez que j'exagère dans le temps, là. Mais c'est de rester proactif. Êtes-vous porté facilement à excuser les gestes qui vous détruisent? Vous arrive-t-il de même pas savoir qui vous êtes au fond de vous-même? En contrepartie, peut-être êtes-vous une personne plus contrôlante, plus manipulatrice. Ça aussi, c'est de la dépendance affective. C'est un manque d'estime, de confiance en l'intérieur de soi qui fait que pour se sentir exister, on a besoin de se grandir avec le sentiment de contrôle, ce qui est loin d'être bien. Pour soi et pour les autres, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est générateur de bonheur dans ce sens-là que je dis bien, là. Donc, vous êtes-vous déjà senti lié, attaché, privé de votre liberté d'être en relation? Ça aussi, c'est quelque chose de malsain. Donc, vous aurez deviné que ce sont des situations qui causent, oui, du mal-être et qui demandent de rehausser le respect de soi, l'estime et la confiance, bien entendu. Donc, quand vous arrivez pour rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui vous attire chez une personne? Demandez-vous, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est l'apparence physique? Combien de gens pensent que le sexe va se transformer en amour? Que de désillusions, OK? Qu'est-ce qui m'attire chez la personne? Si c'est juste l'apparence physique,
Vous faites quoi des traits de personnalité, des blessures, des émotions non conscientisées, non dites, de l'échange, de la communication? Souvent, les gens ne vont pas là. C'est pour ça que c'est chaotique, entre autres. Donc, quand vous cherchez quelqu'un, qu'est-ce qui vous attire, par exemple, chez l'autre personne ou si vous êtes déjà en couple? Donc, est-ce l'apparence physique, la qualité du plaisir partagé ensemble, un rayonnement porteur de tendresse, d'affection, de douceur, une communication saine, de l'harmonie, la facilité de la personne à parler d'elle-même en toute authenticité au lieu de montrer un beau jour, puis qu'en arrière, c'est une autre histoire, comme on voit souvent dans les premières rencontres, la personne se montre sous ses plus beaux angles, mais ça cache des fois des choses. Est-ce qu'on a le goût, nous autres, aussi que l'autre soit authentique? Ben, soyons authentiques nous-mêmes également. Donc, c'est ça la dépendance affective. Je ne dépends pas de l'opinion de l'autre. Je veux juste être authentique. Je veux juste être moi. Je me présente tel que je suis. Ça, c'est de l'autonomie affective. Donc, qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Est-ce la caractéristique de la fidélité que vous êtes capable de ressentir? L'harmonie, l'autonomie affective que cette personne-là a acquise? Un peu tout ça. Des projets communs? De l'admiration mutuelle? Qu'est-ce qui vous attire réellement? Vous êtes-vous respecté par rapport à tout ça? Sinon, la dépendance affective nous fait faire fausse route et nous amène souvent en dehors de ces sentiers d'harmonie-là comme tel. Donc, c'est important de porter en soi les choses que l'on désire que l'autre nous amène, comme je mentionnais. Avez-vous déjà entendu des phrases comme ça, porteuses de dépendance? Moi, je trouve que dans les chansons, des fois, on entend des phrases, là, c'est « allô ». Et dans les communications également, et je vous en cite quelques-unes. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma raison de vivre. Sans ta présence, ma vie n'a aucun sens. C'est-tu assez lourd à faire porter à quelqu'un, ça? Tu es ma raison de vivre. Sans toi, ça veut dire que je ne suis pas assez autonome pour générer du bonheur. Je ne suis pas assez autonome pour prendre ma place dans ma vie. Je te confie de prendre soin de moi. On n'a pas le droit de faire ça à personne. On est des enfants de 5 ans si on réagit comme ça, et malheureusement, sans culpabilité ni jugement, c'est ce qui se passe dans la nature humaine. Donc, quand on voit clair là-dedans, le degré d'autonomie affective va faire ça, et la dépendance affective va sortir par la fenêtre, comme on pourrait dire. Donc, on va se voir agir et réagir, et c'est là que c'est le bonheur et la satisfaction qui va se présenter dans notre vie davantage. Donc, dans une relation saine, on se sent amoureux de soi d'abord. On a les deux mains sur le volant de notre vie d'une certaine façon avec le sourire. On n'est pas dans l'attente de l'autre. On partage ensemble notre force. Notre ego se dissout grandement, faisant place à la douceur, à la joie, à la compréhension de l'autre, à l'écoute, vraiment à l'authenticité. On prend plaisir à prendre soin de soi. On a du plaisir à prendre soin de l'autre, oui, parce que l'autre, en prenant soin de lui-même ou d'elle-même, bien, c'est des vases communicants où est-ce qu'on s'entraide mutuellement. On n'est pas là pour combler le manque d'une certaine façon. Dans un couple en harmonie, où est-ce que la dépendance affective se dissout à un très haut niveau? Je n'ai pas la prétention qu'on puisse avoir ça à zéro, qui que l'on soit, parce qu'on a tous besoin d'aimer, d'être aimé. Mais quand on est capable de se recentrer rapidement, c'est là que c'est gagnant. Donc, dans un couple en harmonie, la joie de vivre rayonne, la paix intérieure grandit, et c'est là qu'on avance vraiment beaucoup. Donc, avant de s'engager avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que cette personne-là s'aime vraiment? C'est facile à voir dans la prise en charge de sa santé, dans le positivisme de son discours. Parlez-lui de ses émotions, faites-le parler en profondeur. Si elle s'ouvre, là, posez-vous des questions. Il y a une fermeture, il y a des non-dits. Donc, attention à ça, ce sont des indicateurs bien souvent. Donc, est-ce que la personne s'aime vraiment? Ça se voit par son dynamisme, par ses projets. Est-ce qu'elle est en train vraiment de construire d'une façon saine son existence d'une certaine façon? Elle rayonne, elle est bien, mais c'est à vérifier puis à être attentif à ce niveau-là. Donc, avant de s'engager avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que je suis capable de laisser cette personne-là être libre d'elle-même, d'être elle-même? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même avec cette personne-là? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce qu'on partage la même philosophie de vie? Donc, c'est des petits points de repère pour vous aider à rencontrer la bonne personne ou à mieux communiquer dans votre couple si vous y êtes déjà. Donc, pour les gens qui viendraient de se joindre à nous, toujours agréable de voir de quel pays, quelle ville vous êtes, de voir vos interactions autant entre vous, vos commentaires, vos réflexions par rapport à ce sujet-là. Alors, quand on est bien avec soi, quand on dit l'amour, c'est pur, bien, si chacun commence à contrôler, à marchander, à devoir s'ajuster pour plaire,
à perdre sa spontanéité, à cacher sa vulnérabilité. Si la personne ne se sent pas écoutée ou n'écoute pas l'autre, il y a perte de liberté intérieure, il y a perte de joie et c'est preuve de dépendance affective. Donc, j'espère que ces quelques réflexions-là vont vous avoir aidé à réfléchir sur votre réalité, à vous féliciter autant de votre démarche si vous êtes en plein dedans et à vous féliciter si vous avez émergé également, le tout sans jugement. Et pour vous aider à aller plus loin, j'ai différentes ressources sur mon site internet lynnebolduc.com, dont la promo numéro 5 dans la section livres, boutique livres, qui a aidé des milliers de gens à travers le monde. C'est 3 outils spécifiques. Le livre « Se libérer de la dépendance affective » que je vous ai parlé tantôt, qui vous aide à identifier vraiment précisément comme un rayon laser où est-ce que j'ai répété les mêmes scénarios de souffrance, comment je peux m'en sortir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est un outil invraisemblable. Je le dis, c'est les témoignages des clients qui m'en font vibrer à chaque semaine encore. Vous avez dans cette trilogie-là, si on veut, la promo numéro 5, le livre « Les messages de l'ego » qui vous aide à prendre votre place, garder votre pouvoir personnel, pas vous laisser manipuler par qui que ce soit, éviter de contrôler les autres aussi, mais surtout contrôler votre propre vie de la bonne façon, lâcher prise par rapport à la souffrance, vous aider à être plus dans le moment présent, dans une paix intérieure. Et le troisième, c'est émotions, joie de vivre et auto-guérison, qui vous aide à identifier dans 5 chapitres, entre autres, c'est quoi les blessures émotionnelles qui affectent votre réalité affective, c'est quoi les masques, les mécanismes de défense qu'on a pu utiliser pour se protéger, mais qui nous ont amenés dans la survie au lieu de dans la vie, la joie. Donc ce livre-là vous aide vraiment à aller en profondeur également. Et actuellement, je suis en train de faire connaître la tournée que je commence le 14 novembre prochain à travers le Québec avec la conférence « Comment être heureux en amour ». Je vais aller dans 7 villes, souvent j'en fais plus que ça, mais la disponibilité de mon horaire n'en permettait juste 7 cette session-là, si on veut. Je vais passer par Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Québec, Sainte-Thérèse, Saint-Georges et Lévis, entre autres, au total. Et puis, juste pour prendre conscience, sans les prises de conscience, une personne aura beau changer de partenaire encore et encore, ça va juste empirer bien souvent d'une relation à l'autre. Donc, demandez-vous, en avez-vous assez de répéter les mêmes scénarios de souffrance en amour? Désirez-vous, si vous êtes en couple, ajouter des ressources à votre bonheur? Si vous êtes célibataire, en avez-vous assez d'avoir mal à ce niveau-là une fois de plus, vous également? Vous êtes peut-être à la recherche de la personne idéale, mais vous avez comme perdu espoir, vous voulez être certain de faire au mieux le bon choix. On ne peut pas garantir à 100% toujours, mais d'avoir les outils pour savoir comment faire le bon choix, pourquoi que je me suis retrouvée dans des situations difficiles souvent. Donc, dans la tournée « Comment être heureux en amour », allez voir sur commentetreheureuxenamour.com/vidéo. C'est pas ça pour tout. Je pensais à la vidéo. Je me reprends. commentetreheureuxenamour.com/conférence, que vous le mettiez au singulier ou au pluriel, ça va faire pareil. Et j'ai une vidéo que je vous ai mis là-dessus qui vous redonne du contenu aussi pour aller plus loin, entre autres avec le sujet qu'on parle aujourd'hui, l'amour, dépendance et tout ça. Donc, www.commentetreheureuxenamour.com/conférence. Allez voir ça, vous avez plein d'idées dans cette vidéo-là aussi. Si ça vous parle, dans cette conférence-là, je vais vous aider à reconnaître la dépendance affective. C'est une conférence de 2 heures. Je vais vous aider à retrouver votre pleine valeur, à mettre fin aux scénarios répétitifs, aux déceptions amoureuses. Je vais vous faire prendre conscience, vous aider à voir comment est-ce que tout part de soi puis qu'on peut transformer les choses à la base pour arrêter de se retrouver dans des situations de souffrance. Je vais vous aider à reconnaître une relation toxique, à comment en sortir. Et vous allez avoir, entre autres, un exercice que vous allez pouvoir faire toute seule avec vous-même. Parce que personne qui a parlé en avant, il n'y a jamais de travaux en sous-groupe. C'est vraiment chacun pour soi, même s'il y a beaucoup de gens, autant célibataires qu'en couple. Il y en a qui viennent en famille avec leurs adolescents. Il y en a qui viennent en groupe au bureau. On voit de tout, là. Mais c'est vraiment chacun pour soi. Et vos questions peuvent être entendues aussi. J'en pose pas, moi, volontairement à qui que ce soit, mais vous avez toujours le loisir de poser vos questions. Mais vous allez avoir un exercice que je vais vous partager dans cette soirée-là, sur une feuille, où est-ce que vous allez savoir exactement à quel niveau telle ou telle blessure émotionnelle vous touche et quoi faire pour émerger de tout ça. Donc, juste ça, c'est tellement précieux. Tellement de gens ressortent de cette conférence-là puis dire « j'ai compris ce que je cherchais depuis tant d'années ». Donc, c'est une invitation.
sur commenttrouverunamour.com/conférence pour la grande tournée que je commence le 14 novembre à travers le Québec. Et j'ai un petit service à vous demander en terminant. Si le contenu que je viens de vous partager sur la dépendance affective, vous y trouvez une valeur ajoutée, merci de le partager dans votre réseau pour aider un maximum de gens à avoir des déclics sur qu'est-ce qui cause la souffrance en amour. C'est super important. Invitez vos proches aussi à rejoindre la page conférencière Lynn Bolduc. À tous les jours, je partage des ressources sur différents sujets pour permettre aux gens d'aller plus loin également. Donc, merci de partager. C'est grâce à vous que je peux aider un maximum de gens à travers le monde. C'est une passion. C'est de mon cœur à votre cœur une fois de plus que je vous dis merci d'avoir été là et à très, très bientôt.